Hey, salut à toutes et à tous, c'est Silver. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la suite de notre aventure sur Alien Isolation. On entame déjà l'épisode 14 qui dure maintenant depuis environ plus de 2 mois, il me semble. 2 mois d'aventure déjà sur Alien Isolation. Ouais, 1 mois et demi, 2 mois. J'espère vraiment que vous appréciez cette aventure. On va enfin continuer, les potes. On a échappé à l'alien qui est désormais, je l'espère, dans l'espace. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'on doit rejoindre, il me semble, le Marshall. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Retourner au bureau du Marshall, les potes. Et en fait, la créature a été enfermée hors de Sébastopol, dans les labos du projet KG-348, éjecté dans l'espace. Hein. C'est ce que je viens de vous dire, les potes. Rejoignez le reste de l'équipe et confrontez Waits. Donc Waits, c'est le mec qui a voulu nous enfermer après nous avoir utilisé comme appât. Hein. Donc comme d'habitude, les potes, je vous laisse vous préparer. Mettez-vous dans l'ambiance, prenez à manger, à boire. Mettez-vous dans le noir, car c'est essentiel, les potes, pour une immersion, pardon, plus totale. Allez, à tout de suite, les gars. Voilà, re les potes, donc on va continuer directement. Alors, par où est-ce que je dois passer? L'objectif, c'est ici, hein, donc c'est assez loin. J'espère que je vais pas avoir affaire aux androïdes. Est-ce que je peux me construire peut-être juste... Attendez. Là, il faudrait juste que je me construise, que je me fabrique un medikit. Fabriquer, ouais, je peux en fabriquer un. Et je vais juste me mettre full. Je me demande sur quoi je vais tomber, parce que c'est assez loin quand même. C'est assez loin, donc je me demande sur quoi je vais tomber, les gars. J'ai que 3 munitions de fusil à pompe, ok. 5 de revolver, ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible, les gars, mais on va continuer. On est sur la bonne voie. Là, je pense qu'on peut courir, vu qu'il y a personne. Enfin, il n'y a pas personne, mais je veux dire... il n'y a pas l'alien, quoi. J'espère, j'espère. J'espère. C'est quoi, ça? C'est un conduit? Non, c'est bon. Ok, du coup, on continue, les gars. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh my god, fucking shit. Ok, ah, c'est des gens. Ok. Pas me faire chier, hein. On peut rien faire avec ça? Non. Rétablir le courant des stores de sécurité, ok. Ok. Donc peut-être que éventuellement je dois passer par le conduit que j'ai vu précédemment. Attendez, là je peux actualiser ma carte. Ok, nickel. Ok, donc là on voit un peu plus clair, les gars. Donc local technique, rétablir le courant des stores de sécurité. Ok. Ah, apparemment je peux passer là. Non. Eh ben non. Ce n'est pas aussi facile, mecton. Eh non. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose ici, peut-être, pour activer un truc? Putain, on a passé les 3/4 de notre temps à rétablir des courants électriques et tout, pendant qu'on se faisait poursuivre et qu'on avait le feu au cul, les gars. C'est toujours comme ça. Il y a personne... Ah, yes, du carburant. Par contre, les gars... Qui dit carburant dit présence alien. Donc s'ils nous mettent du carburant ici, c'est mauvais signe, les gars. C'est qu'il n'est pas tout à fait dans l'espace. En tout cas, je vais pas me poser cette question pour l'instant. Comment je vais faire pour rétablir le courant? Il y a forcément un interrupteur quelque part ou un endroit où je peux passer. Allez, on va voir. Qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il... Attendez, activer. Ah, je peux activer du coup? Qu'est-ce qui se passe? Oh là. Ouais. Ensuite, je me dis pas qu'il va ouvrir la trappe. Putain, s'il ouvre la trappe, le robot c'est. Oh yes. Oh yes, fucking shit. Allez, je viens tout de suite derrière toi, mecton. Oh, la musique alien. La musique, j'aime trop, les gars. Ça met vraiment dans l'ambiance. C'est quoi ça? Détecteur. Bon, on s'en bat les steaks, on peut pas le prendre de toute façon. Ça me rappelle un peu la pièce au tout début des épisodes, les gars, avec Axel et tout. Ok.
Ok, de toute façon, ouais, je peux pas passer par là. On va passer, hein. Les conduits. C'est vraiment toute notre vie, les conduits, hein. Alors, sur quoi va-t-on tomber, les potes? Sur quoi va-t-on tomber? Apparemment, il n'y a que des humains, hein. Ok. Mauvaise intuition. Enfin, mauvais pressentiment, je veux dire. J'ai l'impression que je dois me faire discret là. Je sais pas pourquoi l'ambiance ne me rassure pas trop. Du coup, je dois aller à droite là-bas. Il y a un interrupteur, enfin un levier que je peux activer. Ok, je peux rien faire ici. Ça, c'est quoi? Détecteur, je peux pas le prendre. Utiliser le levier. Avec plaisir, frérot! Avec plaisir. Oh putain, il m'a effrayé lui. Il y a un problème avec les androïdes. Il y a un problème avec ces putains d'androïdes depuis que je suis arrivé. Non, c'est autre chose. Ils ont abandonné leur poste. Je viens d'en voir dans une zone publique. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Super. Fais gaffe à toi. Comment ça? En fait, il dit un truc, mais c'est vaste. Hein. Je vois pas ce qu'il veut dire. Ok, ok, les gars, regardez. C'est assez complexe. Est-ce que je peux passer peut-être par là-bas? Je vais juste aller voir ce qu'il y a. Les gars, je sais pas pourquoi je m'accroupis. Hein. Dans ma tête, il y a... Dans ma tête, il y a encore l'alien. Hein. Apparemment, je peux pas passer ici. Ok. Je vais juste checker les alentours, les gars. Histoire de rien louper. Non, je pense que normalement, c'est bon. Allez, on va passer par la porte. Par contre, s'il y a des androïdes, je vais devoir utiliser toutes mes balles, bordel de merde. Ça, ça fait chier. C'est dommage, est-ce que je peux fabriquer des munitions? Non, même pas. Fumigène. Ah, grenade aveuglante. Allez, on va fabriquer ça. Hop, voilà. Émetteur de son. Ça peut être utile aussi. Ça peut être utile pour faire diversion. Ok. Alors ici, il y a quelque chose ou pas? Je pense que je vais devoir passer par la trappe. Je vais juste voir s'il y a quelque chose. Apparemment, c'est un bar. On fait une petite soirée, les gars, ou quoi? Oh, les gars, on fait une petite soirée. Jack Daniel et tout. Wow. Cul sec, cul sec, cul sec. Je m'ambiance tout seul, hein, les gars. C'est juste pour me rassurer. Allez, comme d'habitude, on doit passer par les conduits. Et on a une petite sauvegarde qui est très importante. Hop, c'est parti, on sauvegarde. Ouvrir le conduit, ok. Allez, on se faufile. À gauche, il n'y a rien, on va passer ici. C'est quoi l'histoire avec les androïdes? Aucune idée. Et le changement de statut de l'alerte? Mortel, j'en sais rien, j'essaie de contacter Samuels. À quoi est en train de jouer Apollo. Donc Apollo est en train de faire des siennes. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, je sais pas s'il y a un projet secret ou s'ils ont programmé les androïdes d'une telle façon à ce que à un moment ils discutent les ordres, je sais pas du tout. On en saura sûrement plus à la fin, les gars. Ok. Ici je peux pas passer, rétablir le courant. Très bien. Ok. Donc là on peut rétablir le courant. Je pense que c'est là, hein. C'est un générateur. Voilà. Retourner au bureau du Marshall. Oui, ben j'y étais pas encore, frérot. Donc là, je peux passer, ok. Là, the fuck? C'est quoi cette musique? C'est quoi cette musique là? Ah, calmez-vous par contre avec la musique comme ça. Il arrive. The fuck, man? Putain de fuck!
Il arrive ou pas? Non, c'est bon. Ah, vas-y, j'y vais. Je le fume. Hein. Il vient, je le fume. Ok. The fuck? The fuck, man? Wesh? Wesh, ils sont possédés. Ils sont possédés, les gars. Ils sont possédés. Ils sont possédés. Regardez ce qu'il faisait, l'autre. Ils m'ont capté, hein. Ils m'ont vu. Je peux me barrer par là ou pas? Putain, la musique, quoi. Oh, allez, putain, je suis mort. Allez, on va être. Wesh! Me barre. Putain, mais ils marchent vite en plus, ces enfoirés. Je crois que ça a servi à rien, ce que j'ai fait. Hein. C'est une grosse blague. C'est une grosse blague, les gars. What the fuck? What the fuck, man? Fusil à pompe, hein. Rien à foutre. Allez. Allez, barre-toi. Barre-toi. Voilà. Bon. Vu que ça one-shot, ce qu'on peut constater, c'est que je peux encore fumer deux androïdes, mais après, c'est fini. Hein. J'espère qu'il n'y a pas une armée d'androïdes qui va venir sur moi, bordel. Ah, mais putain, je pouvais passer par là. Je suis con. Je suis débile. Ils chassent tout le monde, les personnes. C'est-à-dire, une seconde. Ils sont en train de chasser, c'est des ouf. Vas-y, viens, je te chasse, moi. The fuck? Attends. Ah non, c'est un mec. C'est un mec, c'est un mec. Cartouche de fusil, c'est bon. Je l'ai one shot, hein. Je l'ai mis une tête. Putain, j'ai cru que c'était un androïde normal. Il était planqué, regardez ce bâtard. Ce bâtard était ici. Comme ça, hein. Ça me rappelle un peu les mecs de Call of, hein, quand on joue à Call of, qui sont comme ça sur la map. Mais bon, bref. Trêve de bavardage. Par où est-ce que je dois passer? Ça doit être aux alentours, je pense. Elle me stresse, hein, cette musique. Hein. Je déteste. Ne vous inquiétez pas, on va trouver. On va trouver, on va pas stresser, les gars. On va éviter de sombrer dans la panique. On peut pas retourner ici, d'accord. Intéressant, intéressant. Alors, il y a forcément un moyen de passer, quelque part. Attendez, les potes, attendez. Il y a forcément un moyen de passer. Alors, est-ce que je peux passer ici? Non, je ne peux pas. C'est problématique. Alors, attendez, les potes. Je cherche. Je cherche, les gars. Alors, à moins que ce soit à côté de mon nez et que je ne le voie pas. Ça se trouve, vous le voyez, les gars. Vous devez être en train de me gueuler dessus. Ok, d'accord. C'est ici. J'ai essayé d'ouvrir tout à l'heure. J'ai essayé d'aller devant. Ça ne marchait pas. C'est pas grave. Bon. On doit aller tout droit et à gauche. Ok, pour l'instant on est sur la bonne voie. Là-bas il n'y a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Je pense que c'est un cul-de-sac, hein. Ici les potes. Je pense clairement que c'est un cul-de-sac. Ok, que dalle. Bon, on est fixé. Allez. On peut one-shot des gens avec ce fusil à pompe. J'adore ce fusil à pompe. Mais par contre, il servira à rien s'il y a un alien. J'espère, hein, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que l'alien est encore en vie. Ou alors, peut-être, ça se trouve, il n'y a pas qu'un alien. Alors là, les gars, s'il n'y a pas un alien et s'il a pondu des œufs, je veux dire, bah. Oh putain, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde.
Alors, bon, faux espoir, je ne peux pas passer par là. C'est quoi ça? Frérot? Ok, putain, on se perd, hein. On se perd dans ces couloirs. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Ok, on va actualiser la carte. Ok, on est bon, on a juste à passer par là. Il y a des stores de sécurité qui me barrent la route. Porte fermée. Wait. Oh, t'enfoiré ! Salaud de meurtrier ! Laissez-les tranquilles ! Arrêtez ! The fuck ? Ils ont... Oh putain. Ok. Il se fait étrangler, c'est super. Bon bah Wade c'est mort hein. On pourra pas le buter nous-mêmes, trouver un chemin alternatif. Ok, c'était sûr et certain que ça allait être comme ça, qu'il allait se faire buter les gars. Je peux pas passer par là? Je crois pas hein. Non. Par là c'est coincé. Et par là, peut-être? Non. Non, par là, c'est mort. Ici aussi, je pense, oui. C'était sûr et certain. Sévastopol. Ok. Bon. On va essayer de trouver un autre chemin. Hein. Peut-être que ça s'ouvre ici, je sais pas. Non. Et ici? Non. Ok, là on peut encore actualiser la carte. Je les avais déjà pris ceux-là, non? Je sais même pas, alors peut-être que je peux passer ici. Non, même pas. Même pas les gars. C'est bizarre, pourtant il y a un petit angle là, j'ai l'impression. Attendez les gars, attendez, on va réfléchir. Je pense que c'était dans l'autre pièce, hein. Allez, on va retourner ici. Il y a forcément un chemin. Forcément une grille peut-être à ouvrir. Un truc à activer. Rétablir le courant. Ok. Peut-être ici, je sais pas. Non, même pas. Même pas, les gars. Même pas. Même pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que Pouek. Peut-être que, je sais pas, j'ai loupé un conduit, je sais pas. Non, il n'y a rien les gars, faut qu'on retourne en arrière. Allez. Ok, que dalle. On va retourner en arrière les potes. Hein. Je pense que c'est la seule solution. Peut-être par là, mais... Ouais, peut-être par là. Eh oui, c'est par là, les potes. Ok. Ok, ok. Actualisons cette foutue carte. Ça change rien, je crois. Ok, bon. Allez, pas paniquer. Allez. Non. Ça s'ouvre pas. Là, tu vas me dire, ça s'est ouvert pour rien. Tu vas me dire que cette porte s'est ouverte pour rien. Par là peut-être? Yes. Oh, d'accord. Salut toi. Comment vas-tu? Ah. Ok. Son cerveau, enfin, il a pas de cerveau, mais il a mis du temps quand même à crever. Hein. Il a réalisé 3 heures, 3 secondes après que qu'il s'était pris une balle dans la gueule. Hein. Et bon, hein, chacun ses délires. Ok. Donc apparemment, c'est des chambres à coucher, ça. Putain, vive l'ambiance, quoi. J'aurais pas aimé être sur Sévastopol. Hein. Allez, on sauvegarde. Sauvegarde ma meilleure amie. Hop. Parfait. Perfecto. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Quelque chose d'intéressant. Bonjour. Munition de revolver, ça c'est intéressant. Parfait. Salut. Possession démoniaque, frérot. Bon, je vais pas le buter, hein, je peux utiliser des balles. Donc apparemment, là, c'est là où on était au début. Hein, et là, le courant est rétabli, donc...
temps normal, je peux passer. Et je ne peux pas passer car il n'y a pas de porte. Salut toi. Je t'avais dit de rester là-bas, mais bon. Voilà. Par contre, j'ai plus de balles, hein. Je peux plus faire le malin. Là, ça va être compliqué, hein. Par contre, crève en silence, merci. Je ne peux pas passer, putain de fuck. Attendez. Forcément un moyen. Je suis venu par où? Je suis venu par là. Ok, très bien. Ici, il n'y a pas d'issue. Ce que je vois, il n'y a pas d'issue, les gars. Il n'y a vraiment pas d'issue à part là. Alors, est-ce que ce serait ici? Je suis pas venu par là, je crois. Je suis pas venu par là, les gars. Il me semble que je suis pas venu par là. Oh putain, je suis perdu, les gars. Je suis complètement... Ah! Non, on est sur la bonne voie. Ok. Ok, on peut utiliser le levier. Très bien. Est-ce qu'on va... On va voir s'il y a quelque chose au bout. Je pense pas que je puisse passer. Je pense que ça va être comme l'étage de dessus. Non, il n'y a que dalle ici. Celui-là, il est en vie. Hein. On va pas le faire chier. Surtout qu'on n'a plus de balles. Putain, on n'a plus de balles, les gars. On est vraiment dans la merde. Hein. Là, par contre, il faut fuir. Là, si on voit quelque chose, il faut clairement fuir. Allez, on utilise le levier, les gars. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Accéder au terminal. Très bien. Rien d'intéressant. Allez, on continue la route. Je pense qu'on n'est pas loin. Hein. Je pense qu'on n'est pas loin. J'espère qu'on n'est pas revenu en arrière. Franchement, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout, les gars. On va pas passer par là. Très bien. Un conduit. Ok. Ok, ok. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Hein. J'espère, sinon il va falloir retourner en arrière. Ok, ici il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Non, me dites pas que je suis revenu en arrière, les gars. Ce serait complètement con. Où est-ce que je suis là? The fuck, man? Ah ok, je vois où je suis. Ah, je peux passer par là? Apparemment, je peux passer par là. Je sais pas où je vais. Hein. Je vous dis cash, je sais pas où je vais. Ok, je suis retourné ici. Alors les gars, je pense qu'il doit y avoir quelque chose à faire vers là. Parce qu'ici, ça mène nulle part. C'était sûr. Allez. Allez, barre-toi. Voilà. C'est bon, il est mort. Je peux passer là ou pas? Je ne peux pas. Très bien. Donc par où est-ce que je dois passer? Par où est-ce que je dois passer, les gars? Ah, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, ce cher conduit. Le conduit, pour une fois, qui nous sauve la life. Ça fait plaisir de plus entendre. Bon, il y a quelques bruits dans les conduits, mais on n'entend pas, des bruits de pas. Hein. Ça, c'est vraiment. C'est un délire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ok. Accéder au terminal. Parfait. Il n'y a rien d'intéressant. Utilitaire, ok, il n'y a rien. On va continuer. On y est. On y est. Je reconnais. Vous reconnaissez cette pièce, les gars? Est-ce que vous reconnaissez cette pièce, les potes? Et on arrivait par là. On n'aurait pas pu passer ici, hein, tout de suite. Hein, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va sauver. Oh, ils se sont fait éclater, les gars. Oh ok. Alors, lui, il est possédé. Il reste tout seul. Juste aller lui parler. On va sauvegarder. Et on est bon. Parfait. Très bien, là je dois faire quoi?
Ok. Qu'est-ce qu'il a à me dire, lui? Rip, ils sont tous morts. Les androïdes les ont massacrés. Pourquoi, putain? Pourquoi? J'en sais rien. Mais Samuels doit le savoir. Samuels? Pourquoi? Waits lui a demandé d'accéder à Apollo. Il faut que je le trouve. T'as vu Taylor ou Marlowe? Non, non. Ils sont pas ici. Très bien. Ricardo? Ricardo, si je pars à la recherche de Samuels, tu peux gérer cet endroit. Tu seras mes yeux et mes oreilles. Hors de question que je reste ici. Ricardo, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux t'occuper de la station et assurer mes arrières? Ricardo! Ouais. Bien sûr, pas de problème. Reste ici, verrouille les portes et laisse entrer personne. Occupe-toi de me guider. Je reviens. Ok, ok. Donc on met notre confiance entre ses mains, quoi. Trouver Samuels dans Sixon Synthetics. Ok, hein, donc je pense qu'on va encore avoir affaire au synthétique. Emprunter le transit, jusqu'à Tour Simed. Ok. Juste aller prendre le transit et après je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode, les potes. Ça fait déjà 25 minutes de record. Alors c'est par là, emprunter le transit jusqu'à la Tour Simed. Très bien, je pense que c'est par là. Attendez. Non, on est bon, on est bon, on est bon. Oh, ils sont chiants, vas-y. Barre-toi, frérot. Par contre, ouvre-toi, petite porte, là. Allez, faut que je te brain, c'est ça? Allez, viens. Hop, voilà. Compte comme c'est yep, hein. Allez, j'ai juste à prendre le transit. Ok. Donc je dois, en fait, je dois retourner en arrière, c'est ça? Je dois clairement je dois clairement retourner en arrière. Là, on peut pas passer, je pense. Non, on peut pas passer par là. Allez, dégage toi. Pas que ça à foutre. Voilà. Peut-être par là. Certainement. Est-ce que je peux remonter ici? Par contre, si je peux pas... C'est bon. On y est, les gars. Allez, on passe par là. Parfait. Vu que j'ai réactivé le courant, je peux passer par là. Tout à l'heure, ici, c'était fermé, il me semble. Ah non, c'était pas fermé. C'était pas fermé, les frérots. Alors, peut-être que je peux passer là. Effectivement, c'était ici que c'était fermé. Attendez les gars. Alors, est-ce que je peux je sais pas si c'est là, hein. Jusqu'à la Tour Simed. Attendez, parce que là, si ça se trouve, je suis revenu en arrière pour rien. Non, c'est pas ici. C'est pas ici, les gars. Attendez. On va bien suivre le chemin. Ça se trouve, c'est ici, hein, je sais pas. Je sais pas du tout. Attendez. Bon, je sais qu'il se passe pas grand chose dans cet épisode. Mais des fois. Des fois, il faut vraiment. Ok, je suis mort. Oh, vas-y, dégage là! Putain, enculé! Wesh, il est sérieux! Putain, bâtard! Allez, pars-toi! Peut-être par là? Certainement? J'espère? Non. Ici, c'est par là où je suis venu. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas, les gars. Je vous avoue que je sais pas. Putain, mais il est chiant, lui. Vas-y, dégage. Dégage. Putain, en plus, je vise à côté, là. À cause de lui, il me stresse. Oh, il m'a brain. Wesh, il m'a brain. Il est vénère, hein. Il est vénère, les gars. Non, je pense pas que je puisse passer par là. Non. Ici, c'est la mort. Les gars,
Je vous avoue, je sais pas du tout là. Mais attendez, parce que là je suis perdu. Là je suis perdu les gars. Attendez. On va vraiment trouver. Putain, on a juste à... En fait, ça c'est la partie là. OK, je peux pas revenir. Je peux pas revenir, donc c'est pas par là. Les gars, ça c'est un indice. C'est un indice les gars. Ah bah si, je me suis trompé juste de porte. Je suis vraiment débile hein. Alors est-ce que je peux peut-être passer par là? Non. Peut-être par là non plus. OK. Oh ta gueule toi. Peut-être par là. Eh ben non. Ma patience a des limites. Ouais, la mienne aussi. Allez, ta gueule. C'est par là. Non, il va me poursuivre jusqu'à la mort ou ça se passe comment? Je sais pas. Et là? Je sais même pas si je suis déjà passé par là, hein, les gars. Je fais vraiment au feeling. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Allez, barre-toi. Oh putain, les gars, ils sont partout. Ils sont partout. C'est bon. Direction le transit, on est sur la bonne voie. Et on y est arrivé, les potes. Enfin. Ça aurait été une partie et un épisode assez galère, hein, les potes. Par contre, on sauvegarde ou... Ouais, ce serait mieux. Bon, putain. Allez, barrez-vous, là. Oh putain, il y en a deux, fais chier. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de faire. Moi non plus, je comprends pas. Ma patience a des limites. Allez, on va les attirer. Et ensuite, on pourra prendre le transit. Et ce sera terminé pour cet épisode. Bon, allez les gars. Voilà, venez ici comme des cons. Ceci n'est pas autorisé dans cette enceinte. Parfait, me dis pas qu'il m'a brain l'autre. Allez. On est parti. Allez, à plus les gars. Direction Tour 6 mètres de Sébastopol. OK. Bon. Par où ça saute? Très bien. On y est, on y est. Ricardo, il faut que tu te concentres. T'es responsable maintenant. Responsable? Responsable de quoi? Une salle pleine de cadavres? C'est la merde. Concentre-toi, Ricardo. Si Samuel s'arrive à consulter Apollo, il pourra calmer les androïdes. On en aura enfin fini. Ok, hein, donc apparemment il perd son calme. Bon, je le comprends. Trouver Samuel dans Sixon Synthetics. Ok, on va sauvegarder les potes et on va s'arrêter là. Voilà. Perfecto. Donc prendre l'ascenseur vers Sixon Synthetics. Ok, donc l'objectif est là-bas. On va s'arrêter là, les gars, pour cet épisode 14 de la série Alien. J'espère que vous avez apprécié. Je sais, il n'y a pas eu beaucoup de peur, beaucoup d'action. C'était plutôt de la recherche cette fois-ci. Mais j'espère quand même que vous avez apprécié. Vous inquiétez pas, l'épisode, comme d'habitude. Le prochain épisode, ce sera l'épisode 15, sort bientôt. Il sort dans 2-3 jours, je pense, comme d'habitude. Je vous laisse là. J'espère quand même que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit partage. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous laisse là, les potes. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Silver. Ciao, les gars.